avolunwa olori ma po avolunwa kian po ologbo chetan e ko san fe ni popo po yi ti o tu tu ma je e laye pili fidi e e ko che fe ni avolunni nwo pa wa layo ti che je ko ka che laye ni. Un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures. Abraham Afora, artiste chanteur populairement connu sous le nom Afolun, porte avec fierté la culture Idacha. Avec sa voix de rossignol, nourrie par une inspiration océanique, ce disciple d'Aziza, originaire de Soé dans la commune de Glazoué, s'est imposé dans l'arène de la musique traditionnelle à Koto. Il s'est révélé au mélomène à travers un opus de 7 titres audiovisuels présentés au public le samedi 22 mai 2021 à Glazoué. Parrain de l'événement évoque les motivations de cette sortie discographique. Je dirais simplement que je suis satisfait. Pourquoi? Parce que quand l'artiste m'a sollicité, j'étais prêt à l'accompagner. J'ai demandé à mon ami de venir que nous nous mettons ensemble pour pouvoir promouvoir l'artiste. Il n'a pas hésité. Et on a démarré, mais jusqu'à 15h aujourd'hui, je ne savais pas que cet événement serait du tel émotif. Mais là, je suis très satisfait. Et si c'est à reprendre, je suis prêt à le refaire parce que j'ai vu la joie qui anime cet artiste. Ce que nous avons commencé aujourd'hui avec mon frère, ça ne va pas s'arrêter là. Les autres artistes, nous allons essayer aussi de les promouvoir. C'est un début, mais nous allons faire beaucoup pour nos artistes. Plusieurs personnalités venues de divers horizons ont rehaussé l'éclat de l'événement. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'agit du lancement d'un album d'un artiste. Et je crois qu'il faut aimer sa culture, accompagner ceux qui sortent de chez nous. Parce que ça, là, c'est collé à nous. Même si on a même CD n'importe où dans le monde, sur cette planète, on dira que ce CD-là est produit et provient d'un artiste béninois. Donc, je crois que tout ce qui touche à la culture, qui peut toucher à notre pays, à notre culture, me touche. Nous, au niveau de la direction, nous avons une activité phare. Cette activité, c'est la production et la commercialisation des œuvres artistiques. Et cette formation va venir d'ici à là. Ce n'est pas seulement la formation, nous voulons les accompagner, nous voulons identifier un certain nombre d'artistes que nous allons accompagner progressivement, préparer leur carrière et leur retraite. Parce que le constat, quand nous sommes venus à la tête de cette direction, nous nous sommes rendus compte que très peu d'artistes, au soir de leur vie, jouissent de leurs œuvres. Tout simplement parce que certains n'ont pas l'information. Certains produisent les œuvres, mais ne savent pas qu'il faut se faire timbrer par Bibedra. Lorsque vous faites identifier par Bibedra et timbrer, vous avez la possibilité chaque année de jouir des fruits, des récoltes issues des tasses de Bibedra sur les structures d'accueil, d'hébergement, les débits de boissons. La deuxième chose, c'est que les artistes n'épargnent pas pour préparer leur retraite. Nous sommes en train de discuter avec les structures d'assurance pour qu'au cours de cette formation, ces artistes soient briefés sur les différentes offres et ces artistes pourront souscrire sur une période donnée et pour ça, au soir de leur carrière, ils puissent jouir d'une paisible retraite. C'est par une chanson que l'artiste a exprimé ses gratitudes à Francis Tiepo, Victor Laoui et tous les autres qui ont apporté leur contribution à la réalisation de cette œuvre.